Je ne connais pas beaucoup de noms de fleurs. Je ne suis pas du tout calée en noms de fleurs. Je connais les basiques. J'entends par basiques les roses, les tournesols. Il y a quoi d'autre hein? Ah, les hibiscus, hein. Je pense que c'est tout. Je connais pas beaucoup en fait de noms de fleurs. Pendant longtemps, je publiais d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec des hashtags liés à la couleur de la fleur. Fleur rouge, fleur jaune, fleur de couleur rose. Ce n'est pas top et je le pense aussi. J'aspire à connaître plus de noms de fleurs afin d'enrichir la rubrique sur les espèces florales. Et peut-être que d'ici là, je trouverai deux, trois collaborateurs qui s'y connaissent, qui voudraient bien se joindre à moi pour contribuer à la reconnaissance de ces espèces florales. Vous avez donc la réponse à votre question. Pourquoi je ne mets pas dans la rubrique espèces florales des clichés de toutes les fleurs que j'ai eu à prendre en photo, qui figurent dans mes différentes galeries? C'est juste parce que parfois, sur les différents sites ou les différentes applications que j'utilise, les noms sont contradictoires pour la même fleur, donc plutôt que de me prononcer avec incertitude, je préfère ne pas publier de noms d'espèces florales.